Bonjour internautrices et internautateurs, ici Gaiden pour les Jeux du Cygne. Nous retrouvons notre partie de Terra Invicta où nous jouons l'initiative dont l'objectif principal est de profiter de l'arrivée des aliens. Nous contrôlons les États-Unis, nous contrôlons une partie de la Chine et avec ça on est complètement plein. On a réussi à récupérer un peu d'influence. En s'installant sur Mars, mais on est encore en revenu négatif. Heureusement, ils sont faiblement négatifs. On s'est installé sur Mars et ça, c'est quand même vraiment chouette. Comme base, c'est très bien aussi. Et puis, et ben pendant ce temps, donc on est en 2025, pardon. Donc, les choses avancent doucement mais sûrement. Notre objectif, là, c'est toujours de faire en sorte de contrôler toute la Chine. Donc, de contrôler toute la Chine, pardon. Mais pour ça, il va falloir attendre encore un certain temps parce que je ne peux plus prendre de points de contrôle, hein, sinon je me mets trop dans le mal. Je ne peux pas me le permettre. Au niveau de la science, on contrôle pour l'instant 2 points. Celui-ci va se terminer le mouvement d'unité. Et je ne vais pas le contrôler. On avance sur les cargos nucléaires. Alors j'ai découvert ce à quoi servait le fait d'avoir au niveau de nos conseillers des trucs qui s'appellent projet d'ingénierie. Et lui il en a 1, 3 et puis 0 pour les autres. Donc en tout j'en ai 4. Alors le premier de ces points d'ingénierie permet de débloquer le deuxième slot de projet. Par contre, tous les suivants consécutifs nous donnent plus 5% pour l'avancement de nos projets d'ingénierie. Et ça, c'est en fait hyper important. C'est le si je survole ici, c'est le plus 15% grâce à nos organisations. Alors que là. Alors, je sais pas pourquoi le plus 15%. Ah non, ça doit être 2 choses. Ça doit être, j'ai 15% grâce au projet de recherche et 15% plus grâce aux organisations. Donc, si je regarde là encore en détail, je dois voir ça là par exemple qui me donne plus 2% aux énergies de recherche. Il y a le petit symbole comme ça. Je vais trouver ici, plus 10% ici, et ça va être plus 3% ici, voilà, ça fait mes 15%. Donc, c'est des trucs qui sont vraiment importants de récupérer, tôt ou tard. Qu'est-ce que j'ai d'ailleurs comme organisation que je pourrais prendre? Donc là, du coup, ça gagne en intérêt de prendre ces projets-là qui nous donnent des points de recherche, enfin des projets de recherche en plus. Là, le plus 2, en fait, il est assez sympa, parce que c'est vrai qu'avancer tous les projets plus rapidement, ça permet d'avoir d'autres recherches qui augmentent de façon vraiment exponentielle, vraiment importante. Donc, je vais peut-être me lancer tenter par Iberis Engineering. Celui-ci est pas mal non plus, mais il n'a pas trop besoin de science. J'ai besoin de boost. Les deux sont bien. En vrai, les deux sont bien. Alors, ce que je pourrais faire. Et les deux demandent des sous. Des sous, j'en ai. J'en ai 8400. Donc, je pourrais le détacher, celui-ci. Je pourrais détacher celui-ci parce que le plus d'opérations il est bien, mais j'en ai d'autres qui m'en donnent.
Et puis, alors celui-ci donne plein de sous, cool. Ah, avec un bonus en influence. Oh là 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 là. Pour l'instant, j'ai pas de mine spatiale. Je vais peut-être bien me. Celui-ci me donne de l'influence. Donc il faudrait que je me libère du coup. 2 et 3, 5 et de 7 points. 7 points, là j'en ai 4. Attends, est-ce que je peux pas en libérer ailleurs? Là j'en ai 2 aussi. Et ben on va aller en chercher 2 ici. Toi tu vas prendre celui-ci. Attends, toi j'ai vu qu'il y avait aussi Interpol, mais pour ça il faut gouvernement que je n'ai pas. Et ça demande de l'influence que je veux conserver pour l'instant. Donc, pas d'Interpol. On prend ça ici. Et là, il me faut encore un point. Le boost, je vais le garder. L'influence, je vais la garder. Investigation, espionnage. Celui-ci. Je vais le mettre de côté. Et on va y aller. Là. Et on est à zéro. On est encore un tout petit peu dans le négatif, mais quasiment plus. Et on prend ça en plus. 12 sur 12, 9 sur 11. Donc je peux même en récupérer certains là. Toi, c'est persuasion essentiellement. Je vais récupérer lequel? Plus 15. Celui-ci me donne plus 3, plus 4. Hop. Et hop. Voilà. Ah ben là, je peux en plus encore récupérer celui-ci. Investigation. Voilà. De temps en temps, il y a des trucs sympas, quoi. Ah, des organisations sympas. Ok, donc un petit tour dans les organisations, ça fait toujours du bien. Alors, on a Brieux qui fait de la pub dans un pays dont on n'a pas grand-chose. Ah non, il cherche à contacter l'humanité. Ready to go. Ita qui nous protège les États-Unis, Dachus. Qui enquête sur des conseillers, c'est son job. Et on fait de la pub pour nous en Russie, mais on va assez vite s'arrêter parce qu'on est quand même bien blindé. Allez. Establishing contact. Alors, l'humanité. Chase your worthless gold if you must. Meanwhile, we will save the world. Alors. Qu'est-ce que je pourrais lui demander? Je vais pas faire de PNA encore. Qu'est-ce que tu as comme organisation sympa? Sex Change Company, c'est intéressant. Les deux étoiles, en fait, surtout, ça m'intéresserait de voir s'il en a qui donnent de l'administration, parce que ça reste quand même la priorité en termes de développement. Non, manifestement, il n'a pas de ça. Alors, il donne pas de ressources, il n'a pas d'habitat. Je peux pas lui faire partager le projet, ça c'est chiant. J'ai pas grand-chose à lui donner quand même. Alors, est-ce que... Ça lui suffit pas du tout. Ça va être tendu. Je sens que ça va être tendu.
Oh, mon boost, il faut que je le garde. Je peux pas me permettre de. Ce que je vais faire, c'est que j'ai pas envie de lui proposer de patte de l'agression. Je vais juste lui filer des thunes. C'est pas ouf, mais. Hop. Securing our control. Très bien. Person of interest surveilled. Alors, l'académie scientifique. On va continuer le scout. Together, we're stronger. Apart, we're weaker, yeah? Sounds great on paper. Alors, mouvement d'unité, but the trouble is, there's always some bloke with a loud voice who wants to keep us apart, and a whole lot of someone else's bankrolling him. Commander Fee. Ouais, donc là, ça va me faire plein de projets pour faire des unifications qui m'intéressent pas. Coup d'état au Brésil. Très bien. Ça, ça me plaît beaucoup. Bravo à l'humanité. Public sentiment is increasingly with us. Ah, the people will come to our side. Ça redescend. L'Union européenne. Celui-ci, sympathique. Mais j'ai pas d'Union européenne. Peut-être un jour. Je sais pas pourquoi ça a rebaissé comme ça. Et ça y est, j'ai perdu le Canada. Bon. Non, c'est pas le Canada que j'ai perdu. Je lis trop vite. Moi. Nitrovite. Standing by. La popularité en Chine, soudainement baissée. Ouais, pour le dire vite quand même. Hein. Bon, ça augmente, c'est très bien. Bon, les inégalités qui augmentent, ça me plaît moyen. Oui, mais il y a des servants là, des serviteurs. Eh ben, je peux les saboter les projets des serviteurs avec quelques points d'opération. Ouais, j'ai ce qu'il faut en opération. Breaching lab security. I'm here. Toi, qu'est-ce que tu vas nous faire? Quand est-ce que ça se termine, mes protections? 31 janvier 2026. Tant que j'en ai, je vais sécuriser. Resécuriser la Chine. Nous, on m'a dit qu'on n'avait plus trop besoin d'augmenter l'opinion. Ici, on va aller booster notre opinion là. En Europe. Making our case. Acknowledged. Ah lui, tant que j'ai pas grand chose à faire, je pourrais aussi imaginer d'améliorer mon allégeance. Qui est-ce qui est le plus faible? Je crois que c'est de mémoire que c'est Adriel. Le baril qui est plus faible. Ouais, 8, 16, 20, 14, 11. Donc là, je regarde ici. Donc 16, 20, 14, 11. Donc on va aller booster un peu d'Achus. D'Achus, tac. I'll speak with them. Oh, dépenser l'influence. Je peux pas choper d'XP, d'administration. Si. Toujours de l'administration. Moins 0,1. Allez, on va y arriver. Bonus dans un moment, c'est sympathique. Mais. Alors.
Sur The Moy 6, j'ai toujours pas installé de... Attends, mais j'ai mes cargos qui vont arriver. De toute façon, je peux pas le poser. Je peux pas poser de... Putain, c'est fou, 64,5. Vivement que ça se termine, mais ça... je crois que ça change pas mal. 64,5, on va voir d'ici quelques jours ce que ça donne. Ok, on est bon. Securing our interests. I think we had a breakthrough. Tu vas continuer. L'Asie centrale pour le Kazakhstan. We've hacked their research data. Yes, GG. On va lui pourrir. Bah, l'origine extraterrestre, les batteries, très bien pour lui. L'origine extraterrestre, hein, ça le fait avancer dans ses. Dans son histoire. Donc, je vais essayer de recommencer des fois que j'irai une deuxième fois. Cargo nucléaire. Alors, 64,5. Ah, donc j'ai deux trucs d'un coup. J'ai terminé, donc méthode extraterrestre. Donc j'ai découvert avec certitude hein, qu'un certain nombre de livestock, donc c'est les vaches, le bétail. Ont été enlevés avant qu'on ait pu s'assurer qu'il y avait bien des disparitions humaines. On est à peu près sûr que les aliens nous ont observés assez longtemps avant de chercher à s'adapter. Ils nous ont observés suffisamment longtemps pour comprendre la biologie terrestre et les fonctionnements de sociaux, des hiérarchies sociales. Voilà, en gros, ils ont fait en sorte de grimper en haut de la chaîne alimentaire. En analysant les récurrences Donc voilà, on a analysé hein, comment est-ce qu'ils faisaient leurs enlèvements aux espèces, aux lieux, la régularité, ou plutôt le manque de régularité pour le faire de façon subtile, la proximité avec les habitations. Voilà, on est sûr maintenant d'avoir une idée assez claire de leur méthode de fonctionnement. Ce qui me permet de détecter les contacts extraterrestres avec les humains. The aliens seem to be targeting people in positions of authority. Voilà, les premiers enlèvements se limitaient à des mammifères communs et n'ont été remarqués qu'à cause de leur fréquence et quantité. Sur une période de 10 à 20 jours après le crash, ces enlèvements d'animaux ont cessé et les enlèvements d'humains ont commencé. Les premiers enlèvements semblaient presque aléatoires, mais les suivants contiennent une quantité disproportionnée d'individus de catégorie socio-professionnelle élevée, suggérant que les extraterrestres ont adapté leur méthode et s'intéressent maintenant uniquement à l'acquisition de cibles à forte valeur. Malheureusement, l'explication la plus probable de ce comportement est que les intentions des extraterrestres envers nous sont hostiles, récolte de renseignements au minimum et invasion ou extermination au pire. Étant donné leur supériorité technologique, cette perspective est inquiétante. Voilà. Nouvel objectif, donc enquêter sur le retour des personnes enlevées. Un fait nouveau et important a eu lieu. Les victimes des enlèvements dont la disparition a été signalée ont commencé à réapparaître. C'est extrêmement suspect et le conseil est tombé d'accord sur le fait que ces individus doivent être placés sous surveillance immédiate. Voilà, donc on va devoir surveiller les zones dès qu'on a des enlèvements. Pour pouvoir avancer. L'Intermarium, la Pologne, je m'en fiche. Alors, si maintenant on va aller sur la Lune, on était à 64,7. Avec... Et voilà, immédiatement, ça descend. Ouais, d'accord, 24,7. Ça descend de façon considérable. Donc, je vais pouvoir faire ma première base sur la Lune, qui va me coûter 24,7 et qui va m'apporter de l'eau, des explosifs,
des métaux de base et des matières fissiles. Donc, ça va me permettre de compenser en partie ce que je dépense avec mes balles et d'avancer de toute façon dans l'exploitation de l'espace. Alors, il faut que je développe mes nouveaux projets. Je pourrais faire amélioration de la gestion quand même. J'en ai besoin, augmenter ma capacité de contrôle. Le BIM stratégique. Je pourrais faire aussi choper un peu d'influence comme ça. Je vais me faire ça une fois, ça coûte quasiment rien, ce sera instantané ou presque. Et améliorer la gestion. Ça me fait pas avancer, ça, c'est des projets qu'on peut faire plusieurs fois, mais voilà, avec le. J'ai plus 30%, c'est quand même plutôt sympathique. Ça permet d'avancer bien correctement. Hop, sur les autres, je suis toujours. We've got some intel on our target. Hop, alors. Prepping for next mission. Wow. Alors, mission inconnue. We're winning their hearts and minds. Ok, on booste notre opinion en Europe. Le califat. Hein. La nation bantou pour l'Angola. Très, très rapidement. 26 novembre. Ce sera terminé avant le prochain. Nouvelles organisations. Ah, administration. NID. Alors, ma champion admin, c'est elle. Je vais peut-être en faire sur d'autres. Voilà. Histoire de pouvoir. De prendre d'autres espionnage, investigation. Commandement espionnage, c'est bien. Il n'y en a pas. Bon. Vol de projet, je l'ai déjà ou pas? Vol de projet, oui, je l'ai déjà. Qu'est-ce que tu peux? Répression. Répression, est-ce que tu le fais? Citron. Oui. Donc, si j'ai de la répression à faire, c'est Citron qui s'en occupe. Continue à booster ton espionnage. Et investigation, de toute façon, c'est les deux sont bien. Hop, allez. Alors, confirmé. At your service. Alors, je pourrais faire. Qu'est-ce que t'as comme organisation sympathique, toi? Plus de projets, plus de science, persuasion, projet. Oh, putain, il est bien celui-là. Il est carrément bien celui-là. Allez, on va essayer de les piquer. 94%. Ça devrait le faire. Acknowledged. Ok.
Deschus, tu vas continuer à m'espionner. Toi là. Je suis sur le bon. Non. Jar à Liber. Ok. Hop. Avec un peu d'opération. We'll see what they're up to. I believe they'll stay loyal to the cause. On va continuer à le booster. Asset acquired. Alors, qu'est-ce que t'as de beau à me proposer? Alors, donc il y a toutes les missions en fait, ils sont toutes les organisations, pardon, ils sont pas attribués, qu'on peut voir ici. C'est dommage, il n'y en a pas qui donne de l'administration, mais celui-ci était quand même vraiment sympathique. Donc je vais le prendre. Les autres étaient moins intéressants, donc je ne vais pas continuer. Confédération péruvienne. Surveillance. Hop. Noyauté apparente assez faible. They won't know what hit them. Et parfait. Ça c'est du timing. 2950 sur 3000. Et je lui pourris 5000 points. Donc ça retombe à zéro. Elle est pas belle la vie. C'est parfait. Public opinion remains unmoved. Hop, allez, plus 25 points. Oh, je suis de nouveau dans le positif. Très bien. Alors. Les labos. Pas trop encore. Tout ce qui permet de développer les vaisseaux spatiaux, j'en ai pas besoin pour l'instant. Je vais aller chercher, je crois, Grèce. Bon, je vais aller chercher les trucs de base. Il n'y a pas beaucoup de projets vraiment intéressants là dans l'immédiat. Ça viendra tôt ou tard. En fait, avant de se lancer dans les libérations de la Chine continentale, c'est Taïwan, d'accord. Avant de se lancer dans la contribution des sous, en fait, il faut avoir une industrie, un développement industriel qui soit suffisamment solide. Parce que de toute façon, les aliens sont beaucoup plus forts que nous. Il n'y a aucun débat là-dessus. Donc, si jamais ils voient qu'on commence à vouloir se développer dans l'espace de façon trop importante, ils finissent par nous défoncer la tronche. Ready for orders. Donc c'est pas top. Alors attends, il faudrait que je mette ceci sur Adriel. Il a besoin de 2 points. Je pas encore lui booster son administration. Les sous, c'est vraiment pas ce dont j'ai le plus besoin pour l'instant. L'espionnage, ça change pas grand chose. Plus 4. Hop. Allez, plus de persuasion, c'est toujours bon. Hop. Ah oui, ça c'est. Je pourrais regarder si j'ai pas des conseillers qui sont mieux. Je vois ça entre 2 épisodes. Mais bon, c'est toujours un peu pénible de. Enfin, je regarde, si vous regardez plusieurs critères, l'âge est important parce que quand même le parti va durer, ça peut durer une 20aine d'années, je pense. Si on a
conseillers qui sont trop âgés. Lui, par exemple, avec ses 58 ans, c'est pas forcément idéal. Il est susceptible, un jour ou l'autre, de se retrouver à la retraite. Et ça veut dire redémarrer de zéro, ce qui n'est pas évident. Bien, alors... donc, toi... Qu'est-ce que tu vas faire? Alors, Brieux, du coup, je vais peut-être le remettre à conseiller aux États-Unis. I will help them. Comme ready for my mission. Je suis de nouveau un peu dans le positif. Il gagne 21,6 par mois. Et qui a une mission tous les 15 jours. Bah, le fait de conseiller deux fois, ça me coûte 20. Donc je suis voilà, en gain neutre, on va dire. Toi. T'as pas beaucoup en investigation. T'es vraiment sur l'administratif. Tiens, je peux les choper des trucs. Chez les servants. Les serviteurs. Tac. Hop. La Turquie. Lending my expertise. I think we had a breakthrough. Confédération d'Amérique centrale. Non, merci. Org acquired. Bon, c'est nul ce qu'ils ont. Sérieux? Alors, sauf non, le revenu en boost, il est bien. 1,25 de revenu en boost, je prends. Module d'habitat terminé, ok. Hop, passons pour l'instant. I have new information. Oh, lui, je vais essayer de le retourner contre. De le retourner. De loyauté, il y a moyen que ça passe. Petite pause. Alors, qu'est-ce qui va me gagner du boost? Toi, par exemple. Tac. 15 sur 15, 11 sur 11, 8 sur 8, 22 sur 22. Et de l'expérience ici, administration. On a dit les sous. Ça servira. Hop. Pas indispensable, mais on va pas cracher dessus. Aztec. We've moved the needle. J'en suis où en popularité ici? Ouf. La résiste. Le protectorat, je suis a priori, en termes d'idéologie, on n'est pas très éloigné. Ça, j'en ai besoin. Réacteur à fission à cœur solide. Ça mène vers projet Nerva, oui, c'est, il me semble, propulseur. Top. Ça mène ensuite le clic droit, hein, toujours le pulsar qui est un excellent moteur est à développer tôt ou tard. Donc j'ai besoin de développer, c'est pour ça que je l'avais mis en. Allez, je t'ai mis stop. De développer le réacteur de fission à cœur solide. Oui, je sais, j'ai pas assez de points de contrôle. Enfin, j'ai trop de points de contrôle. Toujours personne qui a cherché à s'installer en Chine. Ça tombe bien. Alors. Toi, tu vas. Dans les trucs que je pourrais faire pour emmerder la résistance. Non, je vais pas trop pouvoir les emmerder, hein, mais j'ai pas assez en investigation. Même si j'ai.
Ah ouais, la vache, ils l'ont bien fait redescendre déjà. 6, je suis toujours large, large, large. Oh, les serviteurs, de toute façon, si je les emmerde, si je peux le faire. Somalie, Soudan du Sud. Iran. Ouais, mais l'Iran, ils sont déjà. Ils ont déjà lâché le truc. Ouais. De toute façon, elle n'arrivera pas à faire de répression. Tu vas faire un peu de pub dans des pays faciles et pas trop importants. Le Canada, je pense qu'on est encore bon. Australie, tiens. C'est qui l'Australie? C'est Projet Exode. We must persuade the people. Ready for orders. Là, je suis... Ah, j'ai des plantes à aller attaquer. Ah non, attends, il faut que j'essaie de retourner. Qu'est-ce qu'il peut faire? We're going in. Ready to go. Don't go. Ralliement de conseiller. Where to? Attribut persuasion. C'est pour toi. Ah, putain, 7. Ça me coûte de l'influence. Essaye de pas en dépenser trop. 20% de chance. Persuasion 14. Difficulté de la mission. Ouais. Loyauté 6. Différence idéologique. Je vais y arriver. Bon. Ça laisse pas beaucoup de chance quand même. We'll bring them to our side. Ça présente un certain nombre d'avantages. De à retourner un conseiller ennemi. Mission abort. Ah merde, il s'est planqué. Dommage pour les points d'influence. Ça va. We've moved the needle. Plus de 10%. Waouh. Public opinion is moving in our direction. Les Malais unis, j'y pensais. The LZ is secure. Très bien. Ah, je suis impressionné, la vitesse à laquelle ils sont montés. At your service. Du coup, je vais en fait plutôt rester ici. I will tell our story. At your service. Et... Where do you need me? Et toi, je vais continuer. En Russie, t'as tes chances ou pas? 26%? Ouais. Avec un peu de sous. Je gagne combien par mois? 348. Ouais. I will tell our story. Je suis... I'm here. Donc il faut que je réenquête. Tiens. Surveilling target. Ready for orders. Et ouais, c'est vraiment con que je l'ai raté celui-là. On va continuer sur Dashus. I'll make sure they're in our side. Et on va arrêter l'épisode ici. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et voilà, on devrait être installé sur la Lune avec nos ressources au prochain épisode d'ici. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.